Bonjour, je me trouve aujourd'hui avec Johan Houbeck sur une émission, je pense que beaucoup d'entre vous attendent, le vaccin, oui ou non. Je suis très content de vous retrouver après plus de 4 mois d'absence de Michel Midi, mais bon, ceux qui nous ont suivis ont compris que le travail de rédaction du livre Planète Malade consacré au Covid, dont je vous montre la couverture, avait pris évidemment tout mon temps, toute mon énergie. Et voilà, je suis très content de vous retrouver et d'accueillir Johan Houbeck, qui a été pour moi un guide très très précieux dans cette période difficile pour tout le monde. Et essayer de trouver une boussole pour se repérer, comprendre les choses dont on ne nous parle pas, et comprendre ce qu'il faut faire pour protéger les proches, pour échapper à toute cette angoisse et à toutes ces souffrances. Le livre « Planète malade », dont on va reparler tout à l'heure, a justement pour ambition d'éclairer pourquoi nos pays, qui sont en principe les plus puissants du monde, les plus développés, le plus haut niveau de protection des citoyens, on a un nombre de contaminations, de décès, de souffrances qui bat tous les records, et qu'il y a plusieurs pays dans le monde, il y en a 6 que j'ai analysés dans ce livre, qui ont très très bien presté, qui ont obtenu de bons résultats, tenant compte des conditions difficiles. Donc pourquoi est-ce que ça n'était pas possible pour nous de faire comme eux? Ça c'est quand même un grand mystère. Et voilà, on va aujourd'hui, le livre porte là-dessus, donc je préviens, le sujet d'aujourd'hui, c'est le vaccin, et vous comprendrez bien qu'en une petite heure, on aura déjà bien assez pour essayer de comprendre de quoi il retourne et y voir clair. Donc, les autres sujets seront abordés dans des webinars qui vont être organisés par Federica, qui est avec nous en ligne, des webinars qui vont expliquer les différents aspects du Covid, de la gestion, de tout ce que ça révèle sur les injustices et les inégalités dans notre société. Je pense que le virus est vraiment un miroir de ce qui ne va pas dans notre société. Donc, au-delà des souffrances, une bonne occasion aussi de repenser le système et de voir comment on peut mieux protéger nos enfants et la planète. Voilà, si Johan a préparé des schémas que je vous montrerai, qui vont essayer d'éclairer les choses, j'ai quelques illustrations aussi. On a eu dans le passé des problèmes techniques parfois qu'on ne nous entendait plus quand il y avait les illustrations. Là, j'ai fait des répétitions toute la matinée avec Joël, que je remercie. Et en principe, ça va marcher, mais bon, dans Michel Midi, il y a toujours des surprises possibles. Donc, si vous avez un problème de son, vous nous le mettez dans les commentaires que je lis. Et je vais commencer à poser les questions à Johan. Nous avons évidemment, pour essayer d'y voir clair et de travailler avec méthode, on a préparé un plan des questions qu'on va suivre, mais je lis vos questions et vos interventions au fur et à mesure et j'en tiendrai compte. Et en tout cas, à la fin, on répondra à tout ce qu'on n'aurait pas pu couvrir avant. Bon, la toute première question, elle est évidente. Qu'est-ce qu'un vaccin? Un vaccin, en fait, c'est... Il faut parler, je crois, bien fort, puisque on relaie directement de Skype. Oui. Okay. Donc, en fait, un vaccin, c'est une imitation d'une infection. Mm-hmm. Donc, on est infecté, il y a des mécanismes de défense qui se mettent en route. Il y a ce qu'on appelle la défense naturelle, directe, essayer de tuer le microbe qui essaye de vous infecter. Mm-hmm. Et en même temps, il y a tout un système de défense spécifique qui se met en route ou qui est en train d'être construit. Ce que je veux dire par là, c'est qu'on va essayer d'avoir des molécules et des cellules qui sont spécifiques pour l'agent infectieux. Bien, alors je montre le graphique que tu as préparé, en espérant qu'à la technique ça va marcher. Si vous n'entendez plus Johan, regardez bien le graphique et puis je vais l'avertir. Lui, il m'entend en tout cas. Voilà, ceci c'est le graphique que tu as préparé. Et donc, on voit là-bas les lymphocytes B, les lymphocytes T, la mémoire immunitaire, et on voit un graphique en haut, réponse primaire, réponse secondaire. Qu'est-ce que ça nous explique? Eh bien, donc, il y a les défenses spécifiques qui vont se mettre en route,
Et la première fois, c'est un système assez complexe et la réponse est faible ou moyen. Mais pendant que cette réponse se fait, il y a des cellules qui vont être spécifiquement engendrées pour mémoriser cet agent infectieux. Et quand cet agent infectieux revient une seconde fois, le système va directement se mettre en route pour défendre l'organisme d'une manière beaucoup plus efficace que la première fois. Donc, nos cellules ont un système qui leur permet de reconnaître quelque chose qui a causé des problèmes et de directement faire la police. C'est ça. Donc la seconde fois, elle va directement faire la police et donc l'infection sera très vite éliminée. Le vaccin fait la même chose. La seule différence, c'est qu'on ne va pas injecter un agent infectieux dangereux. Parce que là, on va engendrer une maladie et ce n'est pas le but du vaccin. Donc ce qu'on va essayer, c'est d'utiliser des fragments ou des agents infectieux inactivés ou morts pour induire cette réponse spécifique. Et donc, je crois que c'est dans la seconde diapositive que Oui, je je vais passe maintenant à revenir. la deuxième diapositive où on voit le MARN, la sûreté, le besoin d'un adjuvant. Qu'est-ce que ça veut dire, ces termes? Donc, un adjuvant, ça sert à augmenter ce qu'on appelle l'immunogénicité. Quand on voit le graphique, on voit l'immunogénicité et L'immunogénicité. ça veut Oui. dire le fait que l'agent infectieux engendre une bonne réponse, une très large réponse ou bien très petite. Un agent infectieux vivant, normalement, induit une très bonne réponse. Les agents utilisés pour le vaccin, C'est-à-dire que quand on s'est fait infecter dans la vraie vie, comme les petits enfants qui rencontrent tous les microbes possibles, et c'est une bonne chose, là, dans les gènes, on a une défense solide. Et donc, tu nous dis que quand on est avec un vaccin, c'est moins fort? non, parce que l'agent infectieux ne sait pas se multiplier. Voilà. Donc, il y a moins de matériel pour engendrer cette réponse. Et donc, il faut aider cette réponse, et c'est pour ça qu'on a besoin d'adjuvants. Bien. Antoine nous dit que le son est faible, donc on va demander de parler vraiment très fort. Donc, quand on n'a pas, tu nous dis que quand on n'a pas vraiment l'agent infectieux dans le corps, notre immunité provoquée est moins forte, et donc on a besoin de quelque chose qui va renforcer le fait que le vaccin crée la protection. Exactement, oui. Voilà. Et donc, ça s'appelle l'adjuvant. Mais suivant le type de vaccin, cet adjuvant sera nécessaire, oui ou non. Bien. Quand on a affaire à un agent infectieux mort ou inactivé, il faut de l'adjuvant. Et Voilà. c'est ce qui se passe par exemple avec le vaccin de la rougeole. On donne le microbe ou le virus de la rougeole inactivé, ajouté à classiquement l'alun qui va augmenter la réponse contre cet agent inactivé. Et de ce fait-là, on est protégé complètement de la rougeole pour un grand nombre d'années. D'accord, c'est comme le vaccin du tétanos, Tétanos on fait aussi, il ça de temps faut en ajouter temps. un adjuvant parce que le vaccin de tétanos, c'est simplement la toxine de la bactérie qui va engendrer la réponse de défense. Très bien. Alors, est-ce qu'il y a différents types de vaccins et est-ce que leur fonctionnement est différent? Je remets peut-être la fiche qu'on a vue. Dans le cas du Covid, on nous dit qu'il y a différents types de vaccins. Qu'est-ce que ça veut dire? Il y a en fait, pour l'instant, trois types de vaccins. Le premier type qui fait le plus de bruit, c'est en fait utiliser un ARN messager. L'ARN messager, ça c'est l'intermédiaire entre le code génétique
est l'expression du gène. C'est une protéine. D'accord? Oui. Donc, l'ARN messager, normalement, quand on l'injecte tel quel, il va induire une réponse contre l'ARN, parce que c'est un agent étranger. Ce n'est pas le but de ce vaccin-là. Ce n'est pas contre l'ARN, c'est contre la protéine qui va être exprimée par cet ARN qu'on essaie d'avoir une réponse. Donc, ces vaccins ont des ARN messagers trafiqués pour que la réponse immune contre cet ARN messager est le plus faible possible. Cet ARN messager s'est rentré dans les cellules et à ce moment-là, l'ARN messager sera traduit dans une protéine du virus qui sera exprimée par ses propres cellules. D'accord? Et Oui. donc, cette protéine va alors engendrer la réponse spécifique contre le virus. Ça, c'est le principe. Oui, ça c'est une sorte de vaccin dont on parle beaucoup maintenant. C'est celui qui est fait par Pfizer et par Moderna. Nous allons en parler bientôt. D'accord. Et il y a d'autres types de vaccins avec une autre logique Oui. alors. Il y a une autre logique, c'est on va le code génétique qui code pour la protéine contre laquelle on veut s'immuniser est intégré dans un virus qui est inoffensif. Et normalement, on prend l'adénovirus. Il y a des centaines de types d'adénovirus et chaque, disons, compagnie a son propre adénovirus. Oui, parce qu'il faut rappeler qu'en fait, nous vivons avec beaucoup de virus et qu'il ne Oui. faut pas considérer les virus comme quelque chose d'extérieur à nous, mais nous sommes Pas pleins de virus seulement, en mais la fait. plupart des virus sont totalement inoffensifs. Voilà. Donc là, on a ce virus inoffensif. On va y mettre le code génétique pour la protéine du virus infectieux, virus dangereux. On va l'injecter. Ce virus inoffensif va se multiplier et en même temps va produire la protéine du virus infectieux, dans ce cas-ci du coronavirus. Donc voilà une Et deuxième type de vaccin. un deuxième type Est-ce de. qu'il y en a aussi dans le cas du Covid? Oui, donc celui d'AstraZeneca, par exemple, est un type comme ça. Celui des Russes, le Sputnik V, est fait de la même manière. Il y a, je crois, deux Chinois aussi qui sont faits de la même manière. Il y a certainement d'autres qui utilisent cette même technique. D'accord? Et est-ce qu'il y a une technique qui a plus de chances ou moins de chances, ou qui est plus compliquée ou plus dangereuse, ou simplement tout est valable? La technique, disons, la technique la plus expérimentée, c'est utiliser le virus inactivé. Comme ça se fait pour la rougeole, comme ça se fait pour le polio, comme ça se fait pour d'autres maladies infantiles. D'accord? Donc, le problème là est qu'il faut avoir assez de virus. Oui. Et ça, ce problème est résolu maintenant. Donc, les Chinois ont pu produire in vitro, je veux dire, dans des cellules humaines qui sont en culture, des masses énormes du COVID-19, donc du coronavirus SARS-2. Et alors, ils savent l'inactiver par différentes manières chimiques, et alors, ils utilisent ce virus inactivé pour induire la réponse immunologique. Bien. C'est celle qui est, disons, on n'en parle pas parce que, soi-disant, c'est démodé. Ah D'accord? oui. On Il n'en n'y a parle pas pas en moyen, Occident. il n'y a pas moyen de faire un brevet sur quelque chose qui est démodé. D'accord? D'accord. Et Donc, c'est si ça. valable cet argument ou Cet argument est utilisé, je l'ai encore vu par le chef de la vaccination des États-Unis. Il a dit, That's outmoded. C'est vieux jeu. C'est l'argument. Moi, je dis, c'est vieux jeu, mais ça montrait que c'est efficace. Pourquoi pas l'utiliser? Mais Oui, ça, il y aurait moins pour de moi, danger. c'est une autre optique, une optique de soins de santé.
et pas optique de commercialisation. On va venir, bien entendu, à toute la question des vaccins Pfizer et Moderna. Ça, on va pas tourner autour et on va voir pourquoi ces vaccins-là sont privilégiés et d'autres pas. Donc, vous restez avec nous. Mais pour que les choses soient bien claires, je voudrais qu'on parle maintenant du problème des vaccins en général, parce que nous avons des gens qui sont 100% pour les vaccins et qui ne se posent pas de questions. Nous avons des gens qui sont à 100% contre les vaccins, même tous les vaccins, c'est ce qu'on appelle les anti-vax. Et puis nous avons une catégorie de gens, dans laquelle je crois pas mal de gens peuvent se reconnaître maintenant, qui acceptent le principe des vaccins, mais qui veut que les précautions soient prises, qu'on sache à quoi s'en tenir et qu'on ait des garanties que les vaccins n'auront pas, comme les médicaments, des effets secondaires. Donc, est-ce que tu peux clarifier justement par rapport à ce courant d'opinion qui s'oppose à tous les vaccins? Ça, c'est pas ta position. Non, absolument pas. Il y a toujours ce qu'il faut appeler le bénéfice-risque. Les gens qui sont contre les vaccins, eux peuvent être contents parce que la variole n'existe plus. Mais la variole n'existe plus justement parce que nous tous avons été vaccinés quand on était jeunes et le virus n'a plus accès à l'espèce humaine. D'accord? Donc, pour moi, vacciner maintenant contre la variole n'a pas de sens parce qu'il n'existe plus. Mais ça a eu du sens avant. Parce que c'est parce que nous avons été vaccinés que maintenant il n'existe plus. D'accord. Et moi, je me souviens, quand j'étais jeune, la poliomyélite a fait rage dans les années 50. Et à ce moment-là, mes parents n'arrêtaient pas de me dire, lave-toi les mains quand tu vas à la toilette, tout ça, fais attention. Et j'ai vu des gens qui ont été tout à fait déformés par la poliomyélite, qui avaient du mal à marcher, qui avaient des gros problèmes. Donc là, on a eu un vaccin et qui a été très Et utile. ce vaccin a été très efficace. Donc, et en fait, il y a deux vaccins. Il y a le vaccin de Salk, qui a été le premier, et puis le Sabin, qui est Per-Osvyd. Donc, ça, c'est un virus atténué. Oui, à propos de Salk, justement, peut-être qu'on ne le sait pas, mais ce bonhomme, il a découvert un vaccin qui a eu un énorme succès dans le monde et il aurait pu devenir milliardaire. Et le jour où on lui a posé la question, est-ce que vous allez breveter votre vaccin? Il a dit, on ne va pas breveter le soleil, donc moi non plus. Et il est volontairement, il n'a pas voulu s'enrichir avec ça. C'est une mentalité, qui n'a plus tellement maintenant, on dirait. Qui pratiquement a disparu maintenant, oui. Avec tous les effets adverses, parce que donc, un exemple, un mauvais exemple du vaccin, c'est enfin, le vaccin contre le virus de la grippe H1N1. On a dit que, oh oui, c'est un virus très dangereux, il faut que tout le monde soit vacciné. Et en fait, on a vacciné en Suède, tout le monde a été vacciné. Et qu'est-ce qu'on a constaté? Que, on a, parce que ce virus était beaucoup moins dangereux qu'on le disait, c'était la grippe mexicaine, là, donc on disait très dangereux, mais en fait, il était très bénin. Donc on a vacciné tout le monde, et puis on a constaté que parmi les gens vaccinés, il y en avait quand même sur les millions, donc 1 millier qui avaient ce qu'on appelle narcolepsie. Donc ils commençaient à s'endormir, ils ne réagissaient plus. Donc, il peut y avoir des effets secondaires et donc, C'est là qu'il faut voir le on est bénéfice-risque. pour le vaccin, mais il faut faire attention, il faut qu'il y ait le maximum de garantie. Tu nous as dit donc qu'il n'y a pas 100% de garantie, qu'il y aura toujours un risque, comme avec un médicament, évidemment. Un médicament, N'importe quel médicament aussi. il peut avoir de bons effets, mais de temps en temps, il y a un accident. Donc, il faut un maximum de garantie qu'il n'y aura pas trop d'accidents ou pas trop d'accidents graves. Donc, ça, c'est la position de base. Est-ce qu'il y a assez de débats et de démocratie et de discussions sur cette histoire des vaccins dangereux? Il y a beaucoup de méfiance par rapport aux sociétés pharmaceutiques. Et d'ailleurs, dans le livre auquel tu as tellement collaboré, j'ai consacré un chapitre au Big Pharma. Et là-dedans, il y a des témoignages disant que le Big Pharma triche souvent pour faire passer des médicaments ou des vaccins en mettant de côté les expériences qui montrent qu'il y a des effets dangereux. On a même des cas de corruption de certaines revues médicales et scientifiques
ou même des directeurs et des rédacteurs en chef de ces revues ont dit oui, il y a beaucoup de fausses, de fake news du Big Pharma. Donc, c'est vraiment inquiétant, c'est difficile à s'y retrouver. On comprend que les gens se posent beaucoup de questions et sont un peu Oui. méfiants. C'est le problème de sortir la santé publique de la compétition commerciale. Parce qu'en fait, toutes ces boîtes pharmaceutiques, ils n'ont qu'une idée en tête, c'est de faire de l'argent. Si ça peut aider la santé publique, tant mieux. Si ça ne l'aide pas, on s'en fout. Et donc, le but de vaccination, c'est la santé publique. Et ça doit être dans la main du public, de la population, et pas monopolisé par des groupes qui ne pensent qu'à augmenter leurs bénéfices. Voilà, j'en profite pour montrer un instant les deux tomes de Planète Malade et les interviews, dont celle de Johan Houbeek. Il y a là des interviews de plusieurs personnes qui ont travaillé dans ou avec le Big Pharma et qui disent qu'effectivement, le Big Pharma n'est pas fiable et que la seule solution, c'est ce que je prône dans mon livre en tout cas, et Johan également bien sûr, et on n'est pas les seuls, c'est qu'il faudrait que toute la recherche et tout le développement des médicaments devienne un service public qui est comme seul critère le bien-être des gens et pas la course au profit. Pourquoi? Parce que quand on se dépêche de gagner beaucoup d'argent, on risque de lancer un vaccin qui n'est pas prêt. En effet, donc, il n'a pas été suffisamment étudié pour les risques, certainement, comme les médicaments. Et aussi, ça, je peux peut-être montrer ce livre Oui, un qui petit vient peu plus d'être loin de publié l'écran, en dit anglais. un petit Et peu plus donc, loin de les l'écran, exemples sont donnés The sur Illusion of comment. Evidence-Based Medicine. On va traduire. Donc, c'est l'illusion de la médecine basée sur des preuves. Parce D'accord. que l'évidence est dans la main des journaux qui sont dans la main de la publicité. Dans le temps, il y avait les journaux médicaux comme The Lancet, Oui. comme New England Journal of Medicine, comme d'autres journaux qui étaient gérés par des sociétés médicales. Et donc, c'était sans but lucratif. Maintenant, tous ces journaux sont dans la main de Elsevier ou de Springer. Et eux, ils ne pensent que à avoir des bénéfices sur ces journaux, par la publicité ou bien par la publicité sur certains articles dans ces journaux. Et donc, on va privilégier dans les publications ceux qui sont sensationnels contre ceux qui essayent de répéter des manips qui ne marchent pas, etc., etc. Donc, le système est biaisé du fait que maintenant, la plupart des journaux sont de nouveau aussi dans la main des grandes sociétés d'édition comme Springer et comme Elsevier. Et donc, ça ne veut pas dire que tout ce qui est dans ces journaux est faux, loin de là. Mais il faut à chaque fois étudier, si on a une question particulière, étudier qui a publié, qui est responsable de la publication, regarder les tableaux, les figures, si ça correspond à ce qui est prétendu, etc., etc. Donc, c'est un travail d'analyse et on ne peut plus le prendre tel quel. Hein. Quand, Oui, par exemple, tous les journaux disent que Pfizer a un vaccin qui donne 80,6% de protection, c'est totalement faux. C'est faux, ça. C'est faux. Quand on lit le journal, quand on lit, ça a été publié maintenant dans le New England Journal of Medicine, ils disent on ne sait pas, puisqu'il y a trop peu de malades, on ne sait pas le degré de protection. Donc, Ça, c'est quand même très grave parce mais que c'est ben l'ensemble des oui. médias maintenant nous disent que le vaccin de Moderna, j'ai trouvé ça un peu rigolo si ce n'était pas aussi tragique, c'est que Pfizer annonçait un vaccin fiable à 90%, puis le lendemain, Moderna venait avec 94%, l'autre 95%. Ça donne une impression que c'est des annonces pour la bourse et que Ah oui, ça c'est n'est pour pas la bourse parce scientifique. que entre 95% et 90%, il n'y a pas de différence, je veux dire statistiquement. Ça peut être même 70% ou 70%.
Ça peut aller de 70 à 95. Mais ça c'est les journalistes et naturellement qui reçoivent les papiers des firmes pharmaceutiques, bah, ils prennent ça tel quel, ils ne regardent pas ce qui est exactement dedans. Ça, c'est un problème. Et puis aussi, et ça, c'est un problème, oui. On est un peu aussi en but aux intérêts commerciaux qui on n'arrête pas de parler des vaccins des États-Unis, puis en France et en Belgique, on dit oui, il y a le vaccin de Sanofi, etc. En Belgique, on a un siège important de GSK, donc eux sont aussi dans la course. On a aussi Johnson Johnson qui est ouais. en Belgique. Donc, alors, on a un peu l'impression que. Essaye de mettre. Faire de la publicité pour son vaccin. On a un peu l'impression que c'est comme du foot, hein. Ici, en Belgique, tout le monde est pour les clubs belges dans les Coupes d'Europe. En France, forcément, pour les clubs français. Et en Angleterre, les Anglais. Et on a malheureusement l'impression pour les multinationales pharmaceutiques, si l'information médiatique est en train de pousser un produit commercial en se fichant des critères scientifiques. Ça, c'est quand même Exactement, pas responsable. Oui. Exactement. C'est dangereux. Et ça peut pousser justement les gens à se méfier de tous les vaccins et à les rejeter, ce qui serait une erreur. On a là, évidemment, sur la page Facebook, une série de personnes qui, d'office, je ne sais pas si vous écoutez bien ce qui est raconté, mais en tout cas, ils nous mettent toute une série de posts contre les vaccins ou ceci ou cela. On ne va pas rentrer dans cette logique et on a déjà eu une émission que je vous incite à aller revoir avec Michel Midi, avec Johan Houbeg, où il donnait les critères de la démarche scientifique pour essayer de s'y retrouver et ne pas lancer des choses qui sont dans 100% de confiance, 100% de méfiance. Les choses sont plus complexes que ça. La recherche scientifique, c'est quelque chose qu'il faut analyser le mieux possible et pas en essayant de croire à un tel ou d'être absolument contre tout ce que dit un tel. À propos des vaccins, on a justement un ami italien là, Fabrizio Chiodo, qui nous dit qu'il y a aussi une catégorie de vaccins, comme on le voit bien, il répond à des anti-vaccins, il répond, comme on le voit bien dans le graphique du professeur Houbeg, ce sont les sub-unit vaccins qui sont bon marché, qui sont safe, garantis, qui bien entendu ont besoin d'un fort adjuvant, et ces vaccins sub-unit sont ceux qui sont en développement à Cuba, qui a 4 vaccins différents. Donc là, tu penses que justement, à Cuba, on pourrait avoir une autre mentalité où on fera plus attention à des vaccins moins dangereux? En tout cas, ils vont, je crois, avant qu'ils se lancent dans la distribution, ils vont quand même regarder beaucoup plus longtemps que ce qui se fait maintenant. Maintenant, on essaye de commercialiser des vaccins où il n'y a même pas, où il y a deux ou trois mois entre la seconde injection et donc la réponse. Oui. Donc, on ne sait pas. J'ai ici les 5 questions que les scientifiques se posent. Et donc, ces 5 questions, ce n'est pas moi qui les ai inventées. Oui. Ça s'est trouvé dans un journal scientifique. Hein. Tu peux nous les lire, ces 5 questions, ou les résumer? La question, c'est... Empêche-t-il la contamination? Ni le vaccin de Pfizer, ni celui de Moderna, pour l'instant, on ne sait pas si ça empêche la contamination. Ah oui. Celui d'AstraZeneca, on sait qu'il n'empêche pas la contamination, puisqu'il y a plus de... Pfizer et Moderna n'ont même pas testé les témoins pour la présence ou l'absence du virus. Ils ont simplement dit, on va regarder s'ils sont malades, oui ou non. Donc, si moi je me fais vacciner et que je suis immunisé, je pourrais quand même transmettre aux gens que je rencontre. Avec Pfizer et Moderna, oui, c'est possible puisqu'ils n'auront pas la réponse. Avec AstraZeneca, oui, parce qu'ils ont la réponse et tous les gens, il y a plus de gens qui sont contaminés que de gens qui sont malades. D'accord. D'accord. Donc, ce qu'on appelle les asymptomatiques, il y en a 3 fois plus que ceux oui, qui oui. sont malades. Oui, c'est ça. Bien qu'ils aient reçu le vaccin. Donc, ça veut dire qu'ils sont contaminants. Quels sont les autres critères dont on nous a parlé là?
Donc, combien de temps ça dure? Oui, Il dit l'immunité. maintenant, ce vaccin, c'est maximum 2 ou 3 mois. Si après 5 mois, il n'y a plus de protection, il faut recommencer à Donc les firmes vacciner. pharmaceutiques auraient intérêt à avoir un vaccin dont l'immunité ne dure pas longtemps. Ils Exactement, vont en vendre oui. beaucoup. Et donc, C'est ça, pas. on n'en sait rien pour l'instant. Quel groupe? Hein? Là aussi, AstraZeneca a fait un peu plus d'études que Pfizer, mais on ne sait pas si ça marche chez les enfants, on ne sait pas chez les adolescents, on ne sait pas si chez les très vieux ça marche, etc. Donc là aussi, vacciner tout le monde n'a pas de sens, puisqu'on ne sait même pas si ça va marcher ou non. D'accord. D'accord? Oui. Il faudrait une étude sérieuse de comparaison des différents vaccins. Hein? Au lieu de que chacun promeut son vaccin, pourquoi pas faire un test où on Ben oui. compare les différents vaccins pour voir leur efficacité, leur sûreté, etc., etc. Ça, c'est quelque chose d'essentiel qui ne se fait pas parce que chacun se voit, se regarde en chien de faïence. C'est Et puis, un oui. monitoriser à long terme. Oui, bien sûr. Parce que ça, c'est très important. Et ça, pour l'instant, ces vaccins sont aussi. Ils n'ont même pas 6 mois, la plupart de ces vaccins. Ouais. On ne peut pas parler de long terme. C'est Donc, quand ces cinq même questions ne sont pas répondues. très très inquiétant parce que là, on comprend bien que les gens qui en ont absolument marre de toutes les souffrances psychologiques qui sont infligées par le confinement, par les licenciements, par toutes ces entreprises qui tombent en faillite. On comprend évidemment que tout le monde en a marre et veut qu'on ait une solution rapidement, mais ce que tu nous dis, et apparemment d'autres scientifiques posent les mêmes questions, est quand même inquiétant parce que ça veut dire qu'on pourrait avoir plein de gens qui vont se faire vacciner, qui donc vont transmettre. Qu'on va avoir une troisième ou une quatrième vague encore plus terrible parce qu'on n'aura pas fait attention, tandis que maintenant, avec les gestes barrières, on sait quand même limiter les dégâts. Et donc, tu es en train de nous dire que ces vaccins-là, lancés trop tôt et sans garantie, pourraient aggraver le problème et pas le résoudre. C'est pas moi qui l'ai dit, hein, c'est à Zinzano, monsieur Van Gucht dit, même si vous êtes vacciné, vous devez encore avoir les systèmes barrières. Donc, lui, il sait aussi que ces questions ne sont pas résolues. Donc, maintenant, pousser les gens à se faire vacciner en leur donnant l'illusion qu'ils seraient protégés est pour moi un scandale. Oui, parce que je comprends bien que si les gens se font vacciner, malgré toutes les explications que tu viens de donner, c'est pas ça le message qui va rester. Le message qui va rester pour les gens, vous êtes vaccinés, allez-y. C'est le message que les compagnies pharmaceutiques font. Hein. Mais Vous êtes à voilà. 95% protégés. Hein. Mais C'est voilà. ça que les gens entendent. Mais évidemment. Et c'est ça qu'on a envie d'entendre. Et donc, voilà, je suis désolé, mais il faudrait une information médiatique qui soit plus scientifique. La méfiance vis-à-vis des vaccins, Johan, elle vient de cas précédents où on a eu des problèmes, où ils ont Il y a, triché? non, je dirais, il y a un cas qui est vraiment une falsification, c'est le cas d'un psychiatre anglais qui a prétendu que le vaccin contre la rougeole induisait l'autisme. Oui. Ça a commencé et il y a un journaliste qui a fait son travail d'investigation et qui a démontré clairement que les tableaux qu'il faisait avec les patients étaient totalement faux. Il a inventé. Oui. Donc, ça fait énormément de bruit. Il a été mis en dehors du circuit, naturellement, parce que c'est faux. Mais ça revient encore toujours. Et malheureusement, ça a induit la méfiance d'une mauvaise manière. La méfiance, Oui. comme je dis, peut. Dans certains cas, comme le H1N1 Oui. dont j'ai parlé, là, il y a d'autres cas Le que j'ai Gardasil, regardés. l'Alain. Il y a le cas du Gardasil, donc contre Oui. le papillomavirus, où il y a eu des problèmes neurologiques qui existent. Donc, ça ne veut pas dire qu'il y en a beaucoup. Il y en a peut-être
un millier sur un million. Mmh. D'accord? Mais il faut, Il faut c'est le pour ça savoir. qu'il faut savoir le bénéfice-risque. Mmh. Si vous pensez facilement être contaminé par le papillomavirus, ben je dirais, vaccinez-vous, quitte à prendre les réactions adverses comme une malchance, parce que c'est très rare. Hein. Oui. Si vous ne pensez pas que le papillomavirus vous est très sensible, alors ne vous vaccinez pas. Ça, c'est, il faut donner aux gens la possibilité de décider eux-mêmes sur leurs bénéfices, leurs risques. Ça, c'est important. Oui. Et une fois qu'on a ça, alors je crois que la méfiance disparaîtra parce que chacun pourra se dire ok, j'y vais ou j'y vais pas. D'accord? Les firmes pharmaceutiques ont fait beaucoup de tromperies sur des médicaments ou des vaccins. Dans le livre que je publie, on a toute une série de mentions sur Pfizer, sur Merck, sur GSK, avec Tous les beaucoup de grands, tous problèmes les de grands, tricherie. Johnson & Johnson. Johnson & Johnson vient d'avoir 6 milliards de, à payer aux États-Unis parce qu'ils avaient caché les effets adverses de leur risque d'âme. Donc, c'est courant. Et c'est pour ça que ce livre que j'ai montré donne des exemples tout à fait concrets. Hein. Et ça continue. Bien, il y on a va une mettre. certaine ouverture, mais ça continue. Federica a mis sur la page Facebook la référence de ce livre. On va le donner, on va afficher. Alors, je rappelle à tout le monde que l'émission sera ce soir ou demain matin sur YouTube, avec un son meilleur si vous avez des problèmes de connexion ou de transmission ici, parce que c'est l'enregistrement de départ. Donc, vous allez pouvoir trouver ces renseignements. À propos des vaccins, on a donc besoin de se méfier, comme tu l'as dit. Il y a eu une intervention d'une personne, là, Mira, qui disait « Ne faut-il pas plusieurs années pour faire un vaccin, pour avoir un recul ?» Là, en mars-avril, c'est ce qu'on nous disait. Vous savez, le vaccin, ça va prendre très longtemps. Et maintenant, il arrive quand même. Elle a raison, Mira? Ben non, elle a tout à fait raison. Mmh. On ne peut pas introduire un vaccin qui n'a que 4 ou 5 mois d'existence. Ce n'est pas possible. Le nombre de gens qui ont été vaccinés, qui est à peu près 20 000 pour Pfizer, hein, mm-hmm. Comme j'ai dit, 20 000, ça veut dire qu'il y a peut-être des réactions adverses qu'on ne va pas voir, comme avec l'H1N1. S'il n'y a que quelques centaines sur un million, on ne va pas les voir. Mmh. Donc, il faut un temps beaucoup plus long pour qu'on sache exactement où on en est. D'accord. Et pour qu'on sache d'une manière concrète savoir quel est le bénéfice, quel est le risque. Mmh. Quand tu utiliser parles ce vaccin-là ou ces vaccins pour faire ce qu'on appelle l'immunité collective, pour moi, c'est entrer comme un somnambule dans quelque chose dont on ne sait pas où on va sortir. Quand tu Et parles, les boîtes pharmaceutiques le savent, parce que s'il ah y a oui. des problèmes, il y a une clausule qui dit que c'est l'État qui devra payer, et pas eux. C'est-à-dire donc, nous allons voir. Donc, les sous de la recherche publique, déjà. Oui. Maintenant, AstraZeneca a reçu 300 millions du marché commun. Deux jours après qu'ils ont dû payer 60 millions parce qu'ils avaient utilisé un brevet, un abus de brevet. Mmh. Donc, comment est-ce possible que l'organisation qui est la Commission européenne donne l'argent à quelqu'un dont on sait qu'il a triché? Mmh. Mais c'est le système qui permet ça. Oui. Je signale que dans le livre Planète Malade, justement, j'ai plusieurs entretiens avec des gens qui ont travaillé à l'intérieur du système Big Pharma, qui ont aussi fait partie de commissions pour la fixation des prix des médicaments. Et donc là, vous avez énormément d'informations très concrètes sur les tricheries du Big Pharma. Et vous avez des gens, tous les gens qui connaissent ça de près et qui n'ont pas un intérêt financier personnel, vous disent, il faut absolument un service public qui
contrôle la recherche, parce que aussi on fait la recherche sur des choses qui rapportent beaucoup au Big Pharma, mais pas sur des maladies qui touchent que les pauvres et certainement pas dans les pays du Sud. On nous impose des prix beaucoup trop chers. Les Big Pharma travaillent à faire chacun le même médicament pour prendre tous une partie de ce marché au lieu qu'il y a des médicaments, des maladies, pardon, sur lesquelles on n'a pas des médicaments parce que ça ne leur rapporte pas. Donc, c'est vraiment pas notre intérêt. Et en plus, tous disent, il faudrait absolument contrôler les études sur les effets secondaires des médicaments et des vaccins soient contrôlées par des indépendants et qu'on ne lance ça dans le public que quand on est vraiment sûr qu'il y a peu de risques. Zéro risque n'existe pas, évidemment, mais peu de risques et que c'est maîtrisé et que Et que c'est le contrôlé. risque soit quantifié, que Voilà. chacun peut décider, je le prends oui ou non. Voilà. Il y a cependant, mais on va être bref là-dessus, mais quand même, il faut le signaler parce que sur Internet, et y compris là sur notre page Facebook il y a quelques minutes, il y a des gens qui disent que les vaccins sont utilisés par Bill Gates et d'autres, soit pour nous injecter des puces, et on a parlé de nanoparticules pour nous permettre de nous tracer, ou qu'on veut diminuer la population mondiale, ou qu'on veut s'attaquer aux enfants en Afrique et les diminuer, etc. Là, j'aimerais quand même bien que tu nous dises un peu scientifiquement quelle attitude adopter sur ça. Il faut voir quel est le but de Bill Gates. C'est comme tous les grands CEO, c'est faire de l'argent. Oui. Est-ce qu'il va faire de l'argent en tuant le peuple du Sud? Non. Il ne va pas faire de l'argent. Non. Ce qu'il fait, c'est utiliser, par exemple, l'économie, la microéconomie, pour obliger ou pour induire tous ces gens à acheter un smartphone, pour qu'ils puissent alors rentrer dans le grand marché. Et donc, ce qui se passe, c'est qu'avant, les gens avaient des échanges où, entre les légumiers, ceux qui faisaient des grains, etc. Donc, il y avait des marchés locaux dans lesquels chacun essayait de sortir ce qu'il lui fallait. Maintenant, ces marchés locaux vont être supprimés. Parce que maintenant, ces marchés locaux, c'est pour vendre du Pepsi-Cola, c'est pour vendre Coca-Cola, c'est pour vendre du Nestlé, etc. Et donc, c'est là qu'il y a le danger de Bill Gates et compagnie. Ce n'est pas un danger de nanoparticules qui vont, disons, détecter chacun et ce que chacun fait. C'est des Non, fantasmes. ils n'ont pas besoin de ça. Chaque personne qui utilise un smartphone est déjà totalement Tracé. espionné. Donc, ça ne sert à rien d'ajouter quelque chose. C'est déjà comme ça. Donc, Voilà, ceci, je m'excuse, Johan, ceci est très important parce qu'on rencontre énormément sur Internet des gens qui sont de bonne foi, bien entendu, qui sont extrêmement inquiets et angoissés par la société, ça on comprend, mais qui donne une explication fausse, je le dis clairement, avec le grand complot, l'extermination de la population, des choses pareilles. La réalité n'est pas dans ce genre de grand complot et de fantasmes et de films d'horreur, mais la réalité est encore plus grave que ça, parce que justement, les choses qui se passent de par la logique du capitalisme et la logique d'enrichissement de gens comme Bill Gates fait que nous sommes appauvris, nous sommes affaiblis, on nous fait acheter des choses qui sont pas utile alors qu'on n'a pas de quoi acheter les choses qui sont utiles pour tout le monde. Et donc, c'est très, très important de faire une analyse scientifique. Il n'y a pas d'autre mot sur ça. Je signale que dans le livre Planète Malade, il y a un chapitre, une interview, un entretien avec une chercheuse canadienne, Radhika Desai, qui est très intéressant parce qu'il montre quels sont les vrais objectifs de Bill Gates et pourquoi c'est quelqu'un d'effectivement extrêmement dangereux pour les pays du Sud et en général. Voilà. On nous... Pardon. Et on va passer à la question suivante. Voilà, il est sorti. Est-ce que les vaccins sont la solution au Covid dont nous souffrons tous là depuis le mois de mars maintenant, ou est-ce qu'il y avait autre chose de plus efficace à faire? Parce que c'est vrai que les gens, je l'ai dit, on souffre tous énormément sur le plan social, économique, financier, psychologique, les enfants, donc on en a vraiment mal. Est-ce qu'il y avait quelque chose de plus important à faire que les vaccins?
Bah, en tout cas, directement, certainement, parce que je dis les vaccins, ça peut être important dans quelques années, mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, il y a ce que j'essaye d'expliquer à chaque fois, le système de tester, tracer et isoler ceux qui sont malades. Ça, c'est le système qui n'a jamais été utilisé. Maintenant, quand quatre étudiants ont envie de jouer au bridge le soir dans leur cote, il y a la police qui vient et leur donne 250 euros d'amende. Si au lieu de mettre la police, si mettre des aides-soignants ou des infirmiers qui prendraient tout simplement un échantillon pour savoir s'ils sont contaminés ou non, ce serait beaucoup plus efficace. D'accord? Mais on essaye de culpabiliser les gens au lieu de les aider. Plus de 50% des firmes qui ont du personnel qui travaille encore sur place sont en contravention avec les gestes barrières. On va voir quatre mecs qui vont à un mariage, mais ceux-là, on leur donne un avertissement. Ils n'ont jamais été, ils n'ont jamais reçu une amende. Oui. Donc, il y a deux poids, deux mesures. Et chaque fois, c'est l'économie qui va prédominer, sans se rendre compte que si les gens, s'il n'y a pas de gens, il n'y a pas d'économie. Mais pour eux, l'économie, c'est les finances. L'économie réelle, ils ne connaissent pas. Hein. Alors on a, parce que il y a quelqu'un qui a dit que le remdesivir de Gilead est efficace contre le Covid, hein, il y a l'augmentation de 10% des actions, bien que ce ne soit pas vrai. Oui, c'est Mais eux, ils ne totalement regardent faux jamais ça. ce qui est vrai ou ce qui est faux. Eux, ils regardent si la bourse monte ou descend. C'est la seule chose qui les intéresse. Et donc, on a une dissociation complète entre la bourse et la réalité économique. Aux États-Unis, c'est tout à fait clair. La bourse n'a jamais été si haut que maintenant. Et qu'est-ce qu'on voit? Il y a des millions de chômeurs. Il y a des gens qu'on met à la porte de leur maison, ils ne savent plus payer. Il y a 300 000 morts. Hein? Donc, il y a une catastrophe économique et sociale qui se fait aux États-Unis maintenant, pendant que la bourse est au plus haut que jamais. Donc, c'est là, cette dissociation-là, qui est en fait, dont l'origine est le système capitaliste. Voilà, mais je crois que là, on est venu au cœur du problème. Nous avons reçu beaucoup d'interventions et beaucoup de questions sur lesquelles on ne va pas pouvoir maintenant répondre parce que l'heure est déjà avancée. On a José Manuel qui demande quel documentaire et quel livre, à part celui de Michel, bien entendu, petite touche d'humour, notre invité conseille-t-il pour être mieux informé sur les vaccins et le Covid? Est-ce qu'il y a des livres et des documentaires à Bah, regarder? sur le vaccin du Covid, pas encore, hein, puisque c'est trop récent. Oui. Pour l'instant, il faut lire les journaux scientifiques et ce qui en sort, et essayer d'analyser ce qui se trouve dans ces publications. J'espère que ça viendra l'année prochaine. Sur les vaccins en général, je ne connais pas tellement de livres là-dessus. Il y a des livres donc anti-vaccins, Oui. qui, selon moi, sont en partie corrects, en partie incorrects. Donc là aussi, il faut voir ce qui est important, ce qui est pas important et ce qui est faux. Hein, j'ai dit, quand on parle encore de l'autisme et de la rougeole, on sait que c'est absolument faux. Absolument. Oui. Donc chaque fois que ça revient, il faut faire attention. Mais pourquoi est-ce qu'il répète ça? Oui. Et donc quand il y a un livre sur un vaccin où on parle de cela, on dit mais cela c'est un vrai faux parce que etc. etc. Alors là, on peut avoir confiance dans ce livre. Si on prend cet exemple comme disant il faut être contre tous les vaccins, eh bien ce livre ment. Mira demande, a-t-on vraiment besoin de vaccins pour ce virus qui tue un très faible pourcentage?
C'est la bonne question. Moi, personnellement, je crois qu'il y a certaines parties de la population qui doivent être protégées. Parce que la mortalité, c'est surtout chez les vieillards, hein, chez les gens âgés. Et les soignants également, puisque c'est un virus très contagieux, bien qu'il y a très peu de mortalité, il y a beaucoup de morbidité. Ça veut dire que les gens sont vraiment malades. Je viens d'avoir un email d'un copain à moi qui est chimiste, qui a attrapé le Covid quand il a fait du ski au Mont-Cervin. Je peux le garantir qu'il était très très malade. Hein. Oui. Donc les soignants doivent être protégés. Oui. Et puis moi, j'entends des gens dans la quarantaine et dans la cinquantaine qui sont pas morts, mais qui sont quand même très handicapés et on ne sait pas encore s'ils vont récupérer. Donc, la position, pas du tout de vaccin, non, mais plutôt un vaccin ciblé. Ciblé, Et oui. voilà. Et certainement pas penser à faire de la vaccination ou l'immunité collective de cette façon-là. Voilà. Moi, ça, c'est faux. D'accord. L'immunité collective, c'est aussi un concept qui a été fort appliqué en Grande-Bretagne et aux États-Unis, Oui, mais donc, où on va. on a vu les résultats Ça, catastrophiques. en plus, de nouveau, on dit il faut 70% des gens qui soient immunisés. Ce 70%, d'où est-ce que ça sort, hein? On ne sait pas. Je veux dire, c'est à partir d'autres maladies, c'est à partir, etc., etc. Donc, de certains modèles, dont certains sont bons, certains sont mauvais. Donc, donner un chiffre comme ça, si on vaccine 70% de la population, tout sera sauvé. C'est vraiment un mensonge publicitaire. Je ne peux pas dire autrement. Alors, deux interventions qu'on va prendre et auxquelles je vais te transmettre les questions. Bernard demande, Johan Hubeck a-t-il de loin ou de près de quelconques intérêts avec les industries pharmaceutiques? Non. Je La peux seule même, chose, attends, oui. je suis consultant scientifique d'une petite boîte à Strasbourg, mais c'est gratuit. J'en reçois 0 francs, 0 centimes pour cette consultation scientifique. C'est un ancien étudiant à moi qui a fait une boîte, hein, et il me demande des conseils. Et je les lui donne volontairement et gratuitement. C'est tout. On peut signaler que tu sais de quoi tu parles parce que tu as travaillé pour une grande firme pharmaceutique en Belgique, des filiales de Johnson & Johnson, mais ils t'ont mis à la porte. Oui. Voilà. Donc, c'est peut-être un bon certificat dans ce cas-là. Effectivement. Alors, une autre remarque de Fabrizio en Italie, c'est un chercheur italien qui a travaillé avec Cuba et qui dit, je traduis, pour votre information, la fameuse fondation Gates, la fondation Melinda et Bill Gates, n'est-ce pas, qui est derrière toutes les initiatives de vaccins gratuits, nous considère, nous, les Cubains et ceux qui collaborent avec Cuba, comme des terroristes, littéralement des terroristes. Les vaccins cubains, ils pourraient être mieux pour les pays du Sud ou les Chinois, parce que, en En tout plus, un cas, vaccin à moins tous les. 80, là, c'est impossible en Afrique et en Amérique latine. Non, mais Pfizer, c'est déjà exclu, vu qu'il faut le garder à moins 70 degrés ou à moins 70 degrés Celsius, ça ferait quelque chose d'épouvantable. Donc, ça, c'est déjà. Le vaccin de type AstraZeneca ou Sputnik ou certains vaccins chinois, là, c'est déjà un peu plus abordable et d'ailleurs le prix est aussi nettement plus bas puisque c'est entre 2 et 5 dollars, tandis que Pfizer demande 36 à 60 dollars. Donc c'est une grande différence. Le vaccin virus inactivé chinois, pour moi, serait très bon pour l'Asie. Mais Mais pas, mais. il faut attendre les résultats. Je veux dire, je vais pas faire la publicité pour quelque chose que je connais pas. Voilà. Ça pourrait être une bonne, parce que cela coûte très peu cher. Mais en tout cas, on aurait quand même intérêt à ce qu'il y ait un organisme public, belge, français ou européen,
qui ferait des études scientifiques sur l'ensemble des vaccins. Bah oui. C'est quand même un problème qu'on est ici en Occident, on ne parle que des vaccins des firmes multinationales occidentales, et que tout ce que font les Russes, les Cubains et les Chinois, c'est mauvais d'office. C'est pas très scientifique, Oui, ça ça. c'est. Non, mais ça, c'est de nouveau, ce système, automatiquement, si ça vient de là, c'est mauvais. Et pourtant, ils sont les scientifiques russes ou les scientifiques chinois. J'ai connu des Russes, collègues russes, j'ai connu des collègues chinois. Ils sont aussi intelligents que nous, hein, je veux Oui. dire. Très bien. OK. Ben, je pense qu'on va bientôt conclure là-dessus, à moins que tu aies un mot que tu veuilles ajouter pour le public. Non, pour les scientifiques du public, je dirais, essaye d'analyser l'article qui est paru dans le New England Journal of Medicine sur le vaccin Pfizer et comme charade, en sortir tous les incongruités. D'accord, donc dans le British Journal of Non, dans Medicine, le New England Journal of Medicine. voilà. New England Journal of Medicine, là il y a un article bien. Écoute, tu vas m'envoyer dans quelques minutes la référence, nous allons le mettre sur le site avec la version YouTube. Voilà, je pense que c'était extrêmement intéressant, j'espère que ça vous a plu, les réactions sont assez bonnes et en tout cas ça discute ferme sur le site, ce qui est l'objectif. Je signale, comme je l'ai dit, que une série des questions qu'on a abordées aujourd'hui sont traitées dans le livre Planète Malade, qui comporte d'une part les 40 interviews et entretiens sur tous les sujets qu'on vient d'aborder et encore quelques autres. Et l'autre livre, c'est mon enquête à moi menée pendant 7 mois, avec effectivement une analyse de pourquoi on a perdu 2 mois alors qu'on avait beaucoup de données et qu'on n'a absolument rien préparé en janvier, février, début mars. Et ensuite, pourquoi la stratégie qui a été adoptée en France et en Belgique a absolument pas permis de limiter les contaminations et les décès, puisqu'on a les pires résultats. J'analyse 6 pays très divers dans le monde qui ont obtenu des bons résultats et je pose une question fondamentale. Pourquoi on n'a pas fait comme eux? Pourquoi on ne fait pas comme eux maintenant? Ça semble logique et donc effectivement, il semble qu'il y ait malheureusement des intérêts économiques et financiers qui empêchent de faire la solution qui permettrait de beaucoup limiter les souffrances de toute la population et de relancer l'économie en fait beaucoup mieux. Voilà. De sujets à traiter. Et donc, avec Federica, on est en train de mettre sur pied des webinaires. Toutes les personnes qui auront lu le bouquin, parce qu'on ne va pas répéter 10 fois les mêmes choses, donc lisez déjà, vous trouverez énormément de réponses. Et ensuite, on va, avec tous ceux qui sont intéressés, organiser des webinaires. Vous vous inscrivez auprès de federica@investigation.net et on va refaire des discussions sur toute une série de ces choses. Faites s'il vous plaît connaître le livre et la pensée de gens comme Johan, parce que malheureusement, c'est pas dans les grands médias qu'on va, je le crains, parler de ça. On a envoyé beaucoup de services de presse à beaucoup de journalistes. Parlez aux journalistes de ce bouquin et des témoignages qu'on apporte. Je crois que ça vaut vraiment la peine de laisser tomber les œillères. Nous avons. Voilà, le prochain Michel Midi sera un FAQ. Posez vos questions sur tous les autres sujets, États-Unis, Europe, Brexit, Moyen-Orient, Amérique latine. Voilà, j'ai tout mis là. C'est mardi prochain à midi et vous pouvez le faire circuler autour de vous. C'est en direct sur Facebook comme d'habitude. Nous avons besoin de beaucoup élargir l'équipe. J'aurais pu publier le livre Planète Malade beaucoup plus vite si l'équipe investigation avait été plus forte et qu'on avait eu quelqu'un pour m'aider à toutes les recherches, la préparation et l'énorme travail que ça a constitué. Donc, il y a sur Facebook et pour tous ceux qui reçoivent notre newsletter, un appel pour nous soutenir. On a une série de projets très très chouettes par rapport à l'Afrique, l'Amérique latine et différentes autres choses
dont on a besoin pour développer l'information. Voilà, merci à vous pour votre soutien. Parlez-en, diffusez la version qui sera sur YouTube ce soir ou demain matin. Et Johan, je tiens à te remercier énormément pour l'aide que tu m'as apportée pendant ces mois-ci et aujourd'hui avec tout notre public. Voilà. Ok. Merci Au et à revoir. mardi prochain. Au revoir.